Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va faire un programme triceps. Bon, je dois faire un programme encore pompe freestyle, le numéro 2. Mais le problème, c'est que je suis sorti dehors, il y avait de la pluie, il y avait du soleil, il y avait du vent et il y avait tout. Donc, je suis parti au garage et je me suis dit, on va faire des triceps. Les triceps, c'est très important. Je rappelle, si tu veux des gros bras, d'accord? Attends, je vais bien montrer parce que c'est important. Si tu as des gros bras, il y a le biceps, qui est une petite partie, et tu as tout le triceps, d'accord? Donc si tu veux des vrais bras, c'est le triceps qu'il faut bosser, c'est le triceps qu'il faut éclater, et c'est ce qu'on va faire, clairement. On va se le faire comme d'hab, en 3 exercices, et si tu n'as pas les mêmes machines, pas le même matériel que moi, je te montrerai bien évidemment une alternative, clairement. Premier exercice, je vais faire des dips. Clairement, les dips, c'est la base. Dips à la barre, hop, où je monte bien haut, je baisse et je remonte. Si t'as pas de barre, tu peux te mettre avec une chaise ou un banc. Tu vas te mettre dans cette position-là, tu vas descendre et tu vas monter, clairement. Bon, c'est le même mouvement, ce sera le même groupe musculaire, mais moi, je préfère travailler avec la barre. On a un peu plus d'amplitude dans la descente. On va se faire 4 fois 10 répétitions. Hop, mon chrono est prêt, ma petite feuille, bouteille d'eau, on y va. Hop, allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Hop, on met le temps de repos. 1 minute 30 ou 1 minute, peu importe. Mais on ne dépasse pas la minute 30, c'est très important. Et moi, je me rappelle, en triceps, avant, j'étais une bête. Vraiment. J'étais une bête en triceps. Je pouvais te faire des 40, des 50 reps, tranquillement. Bam, bam, j'y allais, je n'étais pas fatigué. Mais là, voilà, j'ai pris pas mal de poids. Et c'est compliqué, parce que ça remonte à quand je faisais... 82, 83 kilos. D'accord? Là, ça va. Là, je suis à 88. Et encore, j'étais à 95 il y a 2 mois. J'ai bien perdu. Mais je commence à récupérer mon petit niveau. Je commence. Ça fait du bien. 50, on va repartir à 1 minute. Ça va. C'est du poids de corps, hein. C'est de l'échauffement pour moi. Et le poids de corps, j'estime qu'on doit tous réussir à le faire. Allez, deuxième. Hop. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Oh. Deuxième barre, enfin, hop, je mets mon temps de repos. Petite note à savoir. Quand tu bosses tes triceps sur une barre, il y a deux positions. Parce que je me suis rendu compte dans l'exercice. T'as soit la position où tu restes tout droit, hop, tu descends, tu restes droit, où c'est que tes triceps qui vont bosser. Ou t'as la position où t'es légèrement penché vers l'avant, hop, où c'est tes triceps, mais aussi le bas des pecs qui vont être sollicités. D'accord? Moi, on va dire, j'aime bien me pencher légèrement. Pas trop vers l'avant, mais légèrement. Je sais pas, j'ai une meilleure sensation des triceps. Je sens aussi un peu le bas des pecs, mais le plus important, c'est que mes triceps se sentent bien sur ce mouvement-là, clairement. 48 secondes. Barre de là un peu. Comme je dis à chaque fois, quand tu bois de l'eau, une gorgée ou deux, pas plus, d'accord? 3 si vraiment t'es en train de mourir, d'accord? Parce que sinon, ce sera ballonné et sera compliqué à suivre juste après. 1 minute 15. Allez, on y va pour la troisième. C'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Un petit temps de repos, troisième trait.
Oh. Les programmes pompe, ils arrivent tranquillement. C'est juste que là, voilà, hein, les intempéries, la météo sur Paris, c'est très compliqué. Hein. Un coup il fait chaud, un coup il pleut, un coup il y a de la grêle, un coup il neige. En fait, là, on est en mars, mais tu sais pas ce qui se passe vraiment. Il y a plusieurs conditions d'un coup. Donc, on s'adapte comme on peut. J'ai de la chance d'avoir un petit home gym. Donc, je fais ça ici. Et là, dans cette position-là, j'ai des barres de fou. Là. C'est incroyable. Ça, c'est parce que mes triceps sont contractés. C'est pour ça. Oh, je suis bien. Donc, c'est important de faire les triceps. Parce que quand tu te poses tranquillement comme ça, on a l'impression que t'es balèze. Tu vois, de ouf. Alors que quand tu retires, tu vois, t'arrêtes. T'as un corps de skieur normal. Mais ouais, tu fais des petites pauses, tu regardes comme ça, tu fais un petit shooting. Non, t'es bien, c'est important. Faut faire les triceps. Faut les faire. 1 minute 6. Je prends un peu de temps. Et après, on va repartir pour la dernière. Parce que là, je me sens bien. Je me sens plutôt bien. 18, 19, ok, on repart. Dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Oh. Ouais, je vais mettre mon téléphone en silencieux. Pas qu'ils s'en fassent chier. Parce que quand on travaille, on travaille. Ok. J'ai fait mes 4 séries. Tranquillement. Tu prends 1, 2 ou 3 minutes de repos et on passe à l'exercice numéro 2. Exercice 2, là on va passer aux choses sérieuses. Clairement, là on va pas rire. Je vais prendre la barre EZ et on va faire du barre au front. Enfin, du barre au front. C'est même pas du barre au front. C'est comme le barre au front, mais c'est inversé. Je te montre le mouvement. Hop, je fais ça. Hop, et tu montes. Ça. C'est l'exo de City Fletcher. D'accord. Dès que j'ai vu faire ça, je me suis dit, faut que je le fasse. Le mec, il est trop stylé quand il le fait. Donc, on va le faire. 4 fois 10 reps. Si tu peux pas, si t'as pas directement une barre, tu prends ton haltère. Juste là. Tu fais ça. Hop. Hop. C'est pareil. Juste avec un seul haltère, c'est suffisant. Ouh. Je reprends mon souffle, tranquillement. Hop, je prends ma barre et on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Hop, temps de repos. Mon petit trait. Oh. Ça, c'est un exercice. Hey, regarde. Si tu connais pas City Fletcher, regarde ses vidéos. Franchement, lui, il m'a motivé. Il m'a motivé pendant très longtemps en musculation. Quand j'étais dans le mal, quand j'étais dans le bad. Quand je voulais pas aller en salle, je regardais ses vidéos. Lui, franchement, avec sa grosse barbe, il me tue. Il me tue, il me fait rire. Mais il me motive de fou. Donc, comme il est assez vieux maintenant, il pousse encore. On va le rendre hommage avec cet exo qui est incroyable pour avoir des gros bras. Repos, 1 minute, hein, toujours, enfin 1 minute 30 de préférence. Moi, j'essaie de prendre ma minute tranquillement. Enfin non, là, c'est déjà 50 secondes. On va se prendre une minute 10 tranquille. Et après, on va repartir. Histoire de faire les choses bien. Oh. Là, j'essaie de prendre des temps de repos assez courts parce que je perds du poids en ce moment et j'ai envie d'avoir une shape un peu découpée. Un tout petit peu. Allez. Hop, deuxième. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, comment, 9. Et 10. Oh. Temps de repos, un petit trait. Ok.
On est good, on est good. Oh. Ouais, comme je disais, là j'essaye de faire une petite diète. Enfin, je fais pas une diète. Je fais attention à ce que je mange, histoire d'avoir une shape vraiment découpée. D'accord? Histoire d'être vraiment bien tracé au niveau des bras, au niveau des pecs, des abdos et tout. On va essayer de faire ça. Parce que naturellement, on va pas se le mentir, c'est très frustrant de faire une sèche ou une diète. Très très frustrant. Parce que tu perds énormément de muscles, que tu le veuilles ou non. Tous les youtubeurs ou les athlètes ou les coachs de YouTube qui vont te dire faire une sèche, être bien, bien musclé, bien tracé et tout, c'est facile, ils mentent, c'est dur. D'accord? C'est dur. Ou alors qui te donne un programme sèche en conservant la masse musculaire, c'est pas possible, clairement. C'est, s'ils sont chargés, ils savent de quoi ils parlent. Mais s'ils sont pas chargés, franchement, ils savent pas de quoi ils parlent. Vraiment. Et le pire, c'est des coachs qui n'ont pas de physique, tu vois. Et ils parlent de sèche alors qu'il n'y a rien à sécher du tout. Eux, franchement, je préfère pas en parler, vraiment. Bon, 1 minute 22, on repart. Oh. Allez. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, c'est rien. 7, 8, 9 et 10. Ouh. Hop, voilà. On balance le temps. Ah ouais, faire une sèche, franchement, c'est compliqué, hein. C'est vraiment, vraiment compliqué. C'est pas facile. Sèche ou régime. Franchement, c'est dur. Mais on va essayer. On va voir ce que je peux faire. Sachant que là, c'est bon. Là, j'ai fait une semaine où j'ai mangé gras. C'était, on va dire, la semaine de mon anniversaire. Donc voilà, j'ai bien mangé. J'avais une excuse valable de bien graille. Mais là, c'est bon. Là, on va attaquer. On va faire les choses bien. C'est important. Oh. Allez. Oh. Bah, je t'invite à me suivre sur Instagram. Hein. C'est très important. Surtout si tu as des questions à me poser, si tu veux échanger, discuter avec moi. À savoir, je réponds à tout le monde. Hein. D'accord? Je suis pas une star, comme je le dis souvent. Je réponds à tout le monde. Si tu as des questions, des trucs, si je peux t'aider, je t'aide. Si je peux pas, je te dirai, frérot. Là, c'est au-delà de mes compétences. Je sais pas. Parce que moi, j'assume. Quand je sais pas, j'assume. Quand je sais. J'aide, je transmets, je donne, je partage, c'est important. Ok, 13, 14, 15, ok, on y va. 1 minute 15 pour la dernière, on fait ça bien. Allez. Oh. Hey. Allez. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Je mets mon temps de repos, ma petite barre, tranquillement. Tu prends une, deux ou trois minutes de repos, tu bois ton eau tranquillement et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, on va se faire du vrai barre au front, couché sur le banc tranquillement. Si t'as pas de banc, tu peux le faire sur le sol. Pour ma part, je vais le faire en pronation, d'accord? Je vais le faire comme ça, je vais pas le faire en supination. Parce que je sens beaucoup mieux mes triceps en pronation. Supination, c'est mes triceps, enfin, c'est mes biceps qui prennent un peu. Parce que j'ai les biceps en point fort. Hop, je prends ma barre tranquillement. Et pareil, on va se faire 4 fois 10 répétitions. Allez. Hop. Par contre, il faut que je fasse attention au fil de mon micro. Sinon, là, c'est fin de la vidéo direct. Si mon micro il se déchire, c'est fini. Allez, hop. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ça me fait du bien de refaire cet exo. Hop, on démarre le temps de repos. Et je mets mon petit trait. Voilà.
Je me rappelle, le bar au front, c'est vraiment l'exercice qui m'a fait changer un peu dans les triceps et qui me les a fait développer. Enfin, c'est là où j'ai vu, du moins, mes triceps changer. Parce que en salle de sport, je faisais beaucoup de poulies, tu vois. Et quand tu vas en salle de sport, tu remarques que les gens, en fin de séance, sont tous dans les poulies. Hop, triceps, triceps, triceps. C'est bien. Mais tes triceps, c'est un muscle comme les autres. À la poulie, en général, tu mets pas très lourd, tu vois. Parce que ça reste un mouvement très guidé et tout. Mais si tu veux faire grossir ton muscle, il faut mettre de la charge. La poulie, c'est de la finition pour moi. La poulie, ça sert pas à construire du muscle. Ça sert à le dessiner, à le tracer, à ce que tu veux, mais pas à le construire pour moi, d'accord? Selon moi et selon mon évolution et mon parcours en musculation. Les exercices de type barre au front, dips, machine, dips, lesté, ça, ça va vraiment faire grossir tes triceps. Et il faut bien que tu le retiennes, c'est important. Sinon, tu deviendras comme tous les autres à faire tes triceps par série de 100 à la fin de la salle. Ok? 1 minute 17, on repart tranquillement. Hop! Oh. Allez! 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ok, 2. Voilà. Ouh. Je suis mort. Je commence à être mort. Alors je suis qu'à la deuxième. Cela dit, ça fait longtemps que j'ai pas bossé mes triceps, même en salle. En fait, il y a des séances que je fais plus. Des séances uniquement biceps, je fais plus. Uniquement triceps, je fais plus. Uniquement épaules, je fais plus. En fait, toutes les séances petits muscles, avant, je me réservais un entraînement pour. Maintenant, j'ai arrêté. Parce que mes petits muscles, on va dire, sont assez développés comme ça. Mes biceps, triceps, épaules, trapèzes et tout sont assez développés. Et là, je me consacre beaucoup plus aux gros muscles. Dos, pec, jambes. Vraiment. Je me consacre à ça. D'ailleurs, là, je suis passé à deux séances jambes dans la semaine. Une séance plus focus jambes entièrement. Et une autre séance focus vraiment sur les ischios. Parce que c'est là où j'ai le gros point faible. Une minute, on va attendre encore 10 secondes et on va repartir. Ouais, parce que nous, on a encore la chance d'avoir les salles de sport ouvertes en région parisienne. Donc, faut en profiter. Vraiment. Allez. 1, 2, c'est la troisième. C'est rien. 1, 2, allez. 3, ouais. 4, allez, 5, ouais, 6, comment, 7, allez, 8, ouais, ouais, 9, oh, et 10. Ok, très bien. Oh. Je mets troisième trait, hop, mon temps de repos. Et on est bon. Les triceps, combien de fois les bosser dans la semaine? Alors, parce que ça, c'est des questions que j'entends. Combien de fois je dois bosser mes bras pour avoir des gros bras, pour être comme toi, pour être ça? Bon. Moi, faut savoir, les bras, c'était ce que je voulais avoir, clairement. Donc, peut-être que c'est une erreur ou pas, mais moi, avant, je les faisais tout le temps, clairement. Il y a des mois où je faisais, on va dire dans la semaine, 4 fois les bras, d'accord? 4 fois. Des grosses séances, j'y allais, je fracassais mes bras. Plein de personnes, plein de coachs te diront, c'est pas bon, faut pas faire ça, ça nuit à l'évolution, ça nuit à ci, ça nuit à ça. Mais moi, ça m'a permis d'avoir mes bras en point fort, clairement. Mais moi, je te dirais, si tu veux vraiment développer un muscle, quel qu'en soit le muscle, 2 à 3 fois, c'est efficace. Et moi, je suis partisan du surentraînement, d'accord? Tu veux progresser en musculation, surentraîne-toi, d'accord?
tu veux progresser à une partie précise, surentraîne cette partie précise. C'est important. En respectant le repos. D'accord? Tu peux faire 3 jours de suite le même muscle, mais après, tu vas te reposer 3-4 jours, tu vois. Comme ça, on sera bon. On aura le côté effort et le côté repos. Parce que la musculation, c'est ça. Tu as le côté effort et le côté repos. Beaucoup vont te dire, ouais, non, faut pas faire ça. Si, j'ai fait ça, j'ai évolué. Donc, voilà. Faut suivre l'évolution. 1 minute 35, on va faire la dernière. Désolé, je parle beaucoup, mais parfois, si je dois apporter des conseils, c'est intéressant de prendre son temps et de bien expliquer si tu veux progresser. Allez. Oh. Allez. 1. 2. 3. Allez. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Allez. 13. 14. 15. Encore 5 parce que j'ai pris du temps, j'ai expliqué un conseil. Allez. 1. 2. 3. 4. Et 5. Ok. Oh. Je mets juste mon petit trait symbolique. Ok, voilà. Oh. Donc voilà pour cette séance triceps. J'espère que ça t'a fait plaisir. J'espère que ça t'a fait mal. Ça te fait du bien. Moi, je suis bien. Franchement, biceps, triceps, on est bien. Je sais pas si on va bien là où je suis. Je regarde. Ouais, ça va, on voit un peu. Je suis bien, d'accord. Le triceps, c'est cette partie-là, la grosse partie. C'est... Il y a beaucoup de muscles dedans, d'accord. Moi, je suis pas là à te dire, bon, ça s'appelle comme ci, comme ça. Je suis là pour te dire, pour bosser ça, faut faire ça. C'est tout. C'est simple, rapide, efficace. Et on n'est pas là pour donner un cours de science. Il y a des youtubeurs fitness qui le font très, très bien. Et c'est admirable. C'est tout à leur honneur. Moi, sinon, je vais te laisser ici. Je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir si tu as kiffé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.